Une histoire de prince charmant. Blanche-Neige, Cendrillon, la Belle au bois dormant, qui ne les connaît pas? Mais que sais-tu des princes avec lesquels elles furent heureuses et eurent beaucoup d'enfants? Voici l'histoire de leurs trois princes charmants, Auguste, Brillant et Commode. Auguste, Brillant et Commode étaient de grands amis. Ils allaient à la même école de princes où ils s'entraînaient à sauver des dames en danger. Ensemble, ils apprirent à monter à cheval, à courir derrière les méchantes sorcières et à escalader de très hautes tours grâce aux tresses d'une princesse. Tous trois adoraient le sport, mais en plus, chacun avait sa préférence. Ce que le prince Auguste aimait le plus au monde était la cuisine. Il passait des journées entières entre les casseroles et les poêles pour préparer de délicieuses recettes. Sa spécialité, sans aucun doute, était les perdrix farcies à la queue de dragon, avec des fruits, des bois enchantés et des frites. Ah oui, les frites. Auguste savait que pour être un prince fort et courageux, il était très important de manger des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des céréales et bien sûr les desserts, seulement de temps en temps, pour toujours avoir un sourire radieux. Et il savait aussi qu'il fallait toujours faire attention à ce que la nourriture soit en bon état. Pour cela, le prince Auguste s'est marié avec Blanche-Neige, parce qu'il voulait s'assurer qu'elle ne mangerait plus jamais de pommes pourries, et bien sûr de pommes empoisonnées. Ils passent maintenant leur journée à préparer de délicieux plats pour les sept nains. Le prince Brillant adorait le ménage. Il adorait les sols cirés, les vitres transparentes, les poignées brillantes des portes. Il ne supportait pas la poussière, les peluches et les toiles d'araignée dans les coins. Et ne parlons pas de son corps. Tous les matins, il prenait une douche, il se lavait les dents et il mettait des vêtements bien propres. Quand il connut Cendrillon, il est tombé amoureux sur le coup de son odeur propre et parfumée. Et il le disait lui-même, « Je suis tombé amoureux au premier odorat. » Après l'avoir perdu de vue pendant la fête durant laquelle il l'avait connue, il la cherchait partout. L'on a toujours raconté l'histoire de la chaussure en verre, mais peu de gens savent que le prince était enchanté parce que Cendrillon ne sentait pas des pieds. Quand ils se sont mariés, ils se sont distribués les tâches ménagères. Brillant et Cendrillon nettoyaient de fond en comble leur château, tout en dansant et en chantant allègrement. Le prince Commode adorait dormir. « Un petit peu plus, s'il te plaît. » Voilà ce qu'il disait à sa mère quand elle le réveillait tous les matins pour aller à l'école des princes. Toutes les nuits, avant de s'endormir profondément, le cuisinier royal lui donnait un verre de lait chaud qui l'on venait de traire. Les musiciens du royaume lui jouèrent une berceuse. Le bibliothécaire lui lisait un livre fabuleux et le roi et la reine lui souhaitaient une bonne nuit. Quand l'on raconta à Commode qu'il existait une princesse qui dormait depuis 100 ans, il est immédiatement parti à sa rescousse. C'était la jeune fille de ses rêves. Il la réveilla pour se marier avec elle. Depuis lors, aucun cauchemar ni fête tard dans la nuit. Commode et la belle au bois dormant dorment toujours toute la nuit d'un seul trait. Auguste, Brillant et Commode sont toujours de grands amis. Ils se retrouvent souvent avec leur princesse et leur petit prince après avoir joué au football. Auguste et Blanche-Neige préparent leurs meilleures recettes. Brillant et Cendrillon font le ménage. Et en dernier lieu, Commode et la Belle au bois dormant préparent les lits et lisent une histoire pour tout le monde. Et voici des princes et des princesses forts et sains. Ils font de l'exercice, mangent très bien, vivent dans des châteaux propres et se reposent. Faites de beaux rêves.